notre mal, le plus profond de nous-mêmes. Là où on a été oublié, toute charité qu'on est, même oublié, dit, oublié, compté. Pour l'appui de nous, mois d'avril, a fini en 2021. Alors, ça veut dire que, mois d'avril, vers le président Fell. Je vais qu'on est voir l'article de réjouissance en tout cas 54.1. Pourquoi ça va jamais dire article 54.1? Bon, Marc, ça dit tout ce qu'il faut, monsieur. Parce que nous n'avons pas une constitution avec moi. 134.1. Mais George, je t'ai fait article avant, où est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Premièrement, dis-nous, la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se termine le 7 février suivant la date des élections. Maintenant, où il y a la élection? Les élections. Oui. En quel sens? L'élection en 2016. Dis-nous, madame, vous avez commencé après l'élection. L'élection en 2016, mais vous avez fait le en 2017. Mais non. Donc, okay. Comment on considère le suivant là, M. George? M. George, suivant, comment on considère là? Comme vous avez fait un ticket, et l'élection a fait avant, président peut-être pas. Aussi simple. Ah bon? Suivant date d'élection, hein, maître George. Suivant l'année d'élection, en fait, là, c'est ça. Année électorale, là. Eh bien, écoutez, qui m'a dit que le président de l'élection? J'étais pas, et ma président? Non, est-ce que vous avez dit président? Je vais répondre à quelque chose. Mais je ne regarde pas. Article 134 là, mais je ne parle pas. Même. 134-2 là. Il y a un seul article là, le fini. Ok. On a les députés Samuel Daïti, bonjour. Moi, salut, guerrier. Moi, salut, guerrier, le capitaine. Bon, c'est dommage, guerrier. Parce que débat ça, c'est au niveau 56e que le pays fait. Et pour que nous sommes capables informer ou bien éclairer la population sur l'article 54-2. Dernier rapport bien, c'était jeudi 9 janvier 2020. Côté que nous avons fixé, nous avons rappelé que mandat, effectivement, mandat 2/3, Sénat a fini. Bien côté, nous avons tout dit que certainement le mandat du président de la République l'a terminé le 7 février 2021. Parce que je ne vais pas étudier, je ne vais pas chercher à aller de la pétille. Dernier soir, le décret électoral, du 2 mars 2015, il fixe le mandat pour élu. Parce que je ne suis pas président, il dit que le mandat du président de la République prend obligatoirement le 7 février de la 7e année de son mandat, quelle que soit la date de son entrée en fonction. D'ailleurs, mais que, et mettre nos gens, parler de mandat, car le échéancier présidentiel, comment c'est-il fini? Et si que nous allons plus loin, moi-même, quand j'ai député, décrire tout le succès à travers la Constitution, décrire par les mairies, dit que le mandat des députés pour enfin, le 9e lundi de janvier de la 4e année, de leur mandat. Quelle que soit la date de leur entrée en fonction. Mais qui va aller nous révéler et bien lui. Vous me prêtez serment le 9e lundi janvier 2017. Madame Fini, le 9e lundi janvier 2020. Il va donc faire comme 3 ans. Il va avoir 4 ans, alors il va avoir 4 ans.
50e et 50e fonction depuis le 2e le 10 janvier 2016. Si tu vas aller plus loin, guerrier, pour aller garder le canon de l'échéance présidentiel, tu vas sortir de 91, pour mieux passer, par exemple, l'élection démocratique de 90, président matériel et président Haïti, pas de fonction, le 7 février 91, pour 91, ajouter 7, pour avoir le manuel 2021, si pas 2022, ça c'est gâte constitutionnel. Donc, en dernier clôture, pour harmoniser le temps constitutionnel et le temps électoral, nous commandons nos gars de succès. Et soit dans la constitution, l'article 134-2, j'allais nous parler de notre adam, parce que c'est des prévisions qui fait. Si l'élection parfaite, par exemple, il y a ma femme, on voit que le numéro s'est sorti, la crise de la entre ma pays et Jovenel. Si pas de l'autre, vous savoir. Il faut que nous respections la Constitution, l'article 54 de l'Ukraine. Il dit qu'au cas où, et sur le passé, et le président apparaît en fonction immédiatement validé, et mandat que c'est commencé le 7 février de l'année de l'élection. Vous avez avec le jeune qui a l'élection de Joseph Lapifé. Donc c'est ça que vous prenez. Vous pensez que c'est un État, c'est une bonne guerre. Il faut que nous vivions avec appui. Il faut que nous ayons des documents en appui pour que nous puissions justifier chaque fois que nous avons des documents. Même quand nous avons depuis le 9 janvier 2020, nous avons dit avec question ça, que le mandat président a fini le 7 février 2021. Il parle même avec moi-même. J'ai eu 27 députés sur ces 3 dans le Parlement. J'ai eu 9 sénateurs. Le mandat a été 6 ans, fait 4 ans, parce que le mandat a été commencé déjà. Ça n'est pas une partie de l'autre. Il faut respecter la Constitution, il faut que nous respections la loi pays, car c'est dommage. Tout professeur Raymond George a dit ça en tant que monde qui travaille, en tant que monde qui fait le droit. Donc c'est vraiment dur. Même si c'est certain que il faut que nous respections la Constitution pour que le président du parti le 7 février 2021. Oui, 7 février 2021. Et par exemple, là, pour sénateur et député là, qui allait là, le pral gagne l'élection, comment vous allez gérer ça là? Tout le temps ça, vous allez. Oui. C'est ça que nous demandons avec le président Jovenel pour que nous cherchions un top avec les forces vives de la nation pour que nous résoudions ça. On va aller aussi simple. 51e le commencement. 51e législature a commencé depuis le 13 janvier 2020. Le 13 janvier 2020 a commencé. Même si on va regarder l'élection qui est en Ontario, soit on va regarder la constitution article 93 pour les sénateurs, ou on pourrait que, par exemple, sous la timonie, sénateur Samuel Akotab, qui a le couvri, parce qu'en temps vide en 2012, et après, c'est la période de la torture qui a couru en 2014. En premier, en 2018, Gontier Sénat s'est renouvelé par les nouvelles. En 2020, Gontier Sénat s'est renouvelé par les nouvelles. En 2020, encore, du 51e an, chaque président de droit n'est pas entré. Et voilà, en 2021, nous avons le même problème avec le président de la République. Donc, je dis, il faut que vous êtes entre les forces vives de la nation pour que nous entrions dans la constitution, pour que nous fassions l'affaire, pour nous capables de faire. Fait pays avancé, parce que je veux dire que c'est un problème lié, et on va prendre de plus en plus de temps, on va continuer de répéter. D'accord. Eh bien, merci un peu, député d'Haïti. Donc, débat qui apparaît pour suivre sur ce question ça. Oui, parce que tout à l'heure, moi, gagné un citoyen dit là. Est-ce que le mandat préval a fini en mai 2011? Allô? Est-ce que c'est en mai 2011, mandat Préval, t'as fini? C'est question ça, vous avez posé. Si nous, président Préval, si nous rappelons la déclaration de Ronnie Deroche, lorsque le président Préval est à Washington, Ronnie Deroche s'est demandé Préval, il a quitté le pouvoir le 7 février 2011. Pas bien, non? Article 134, il lui a demandé. Il a demandé que c'est sous lui. Donc, il a demandé Préval de quitter le pouvoir le 7 février 2011. Et quand on a dépréval, c'était le 14 mai, et bien le 14 mai 2006, il a cherché 14 mai 2011. On regarde qui l'est, l'élection matérielle que ça gagnait, l'élection présidentielle matérielle faite le 20
2011. Président Matéli entre en fonction le 14 mai 2011. Or, article 134 entre en application, c'est ça que le président Matéli qui a quitté le pouvoir le 7 février 2016. Je dis, quelle que soit la date que l'élection faite, et mieux, à l'élection, c'est lui qui compte. Donc, président, la entre en fonction, il est d'accord, validé. Donc, changement ça, oui. Le mandat s'est commencé le 7 février de l'année de l'élection. Or, le mandat de l'élection le 7 mars 2011, le mandat de février, et de l'élection fait après février. Donc, le mandat s'est commencé le 14 mai 2011. Donc, on a une matérie dans le pouvoir le 7 février 2016. On peut passer 4 ans, 9 mois au pouvoir, il y a fait ça. Parce que le mandat est censé commencer. Donc, c'est même la garantie. Ok, changement ça, yo. Donc, changement ça, yo, député d'Haïti, au fait, dans la constitution amendée. Bien sûr. Dans la constitution amendée, article 34, il y a eu amendée. Et tout dernier officier. On nous garde, ça nous relève, échéance présidentielle là. Elle va vous parler, elle va vous par contre côté, elle par contre côté. Parce que le président est de dollars, 3 fois 7, 27 et demi, il faudra que vous compter tout le même. On nous garde, échéance présidentielle là. Le président a occupé le 7 février 91, il peut plus d'État, il va aussi le 94, il suffit mandat là, 96. Il va prévoir pouvoir le 7 février 96. Prévoir vers 5 ans, je vais mettre 2001. 2001, président Haïti, pouvoir là. Lui, à l'heure 2004, bon, bon, il s'agit comme président. Lui, on est pouvoir en 2006. En 2006, prévoir le pouvoir là. Lui, on est en 2011. En 2011, Matéli pouvoir là. Lui, on est en 2016. Président, c'est en 2016. Pour on est en 2021. 2021, on va en 2006. En 2026. 2026, il va nous 2031, c'est pour calmer. Donc c'est 5 ans et 5 ans, il je vais mettre le droit de l'article 134 et on lui va 5 ans, mais c'est ça, c'est 5 ans, c'est échéance présidentielle. Donc la constitution est claire, il dit que à l'élection, c'est là. Donc je suis toujours bien élu, ou à l'élection, novembre 2016. Et bien, date, c'est novembre 2016, à l'élection, c'est 2016, c'est à l'élection. Je vais partager ça avec vous, et vous dites que vous êtes bon là, et ça sont, comment on dit ça, billboard, ou bien, on regarde les pierres, ça serait, comment on a considéré ça? Son sont 34, ou bien, pas qu'on est. Et oui, qui gagne flyers, ok, qui gagne Jean-Henri Céan là-dedans, qui parlait de 100 premiers jours, 100 000 jobs pour 100 000 jeunes, agriculture, l'autre bagaille, mais là-dedans, en bas, on mettait, voter Jean-Henri Céan, président 2017-2022. Mais passé qui pas ou bien élection pas faite dans le ça élection fait 2000 élection fait 2016 c'est pas ça oui élection fait en 2016 ou 2017 en 2016 moi que l'article 54 article 54 il est là il qui est le président mandat résident mais il dit qu'il est pour l'élection fait tout le président Matéli. Il s'est fait la première élection, élection présidentielle qui était gâtée, il fait le dernier dimanche du mois d'octobre 2015. Pour qui ça? Et à regarder toute parole que le président Matéli dit, il dit votez Jovenel, président pays 2016. Ça nous capote tout, oui. Votez président Jovenel, votez Jovenel, président pays 2016. Il fait l'élection le dernier dimanche du mois d'octobre 2015. Pour qui ça? Pour Jovenel, c'est quand même en fonction 2016. Même avec moi-même, en tant que député. Élection mettait date en 2015, nous venons reprendre en 2016. Pour qui ça, tous les trois ans passés. Donc, dès que nous le 2e, le 10 janvier 2016, élection là a fait en novembre 2016. Pour nous, la moyenne entre en janvier 2017, nous fait trois ans, madame fini. La constitution dit c'est quatre ans, madame fini, parce que législature, il était déjà entré en 2016. Date constitutionnelle là, il était commencé en 2016. J'ai 27 députés pour ça, j'ai eu 27 députés qui fait 3 ans au Parlement. Donc, j'ai eu 9 sénateurs tout, qui devaient faire 6 ans, faire 4 ans, les constitutions du mandat ont commencé déjà. Donc, c'est ça, président tout, et bien, lui fait 4 ans, il fait 5 ans, il fait 4 ans, parce que le mandat a commencé depuis le 7 février 2016. Président, c'est le plus
pour les députés. C'est un accord pour les sénateurs, mais pour cette liste, il n'y a pas d'accord. Il y a pas mieux. Il y a une telle déclaration, ça. Il y a eu le même coup de bâton que chez moi. C'est le même coup de bâton, ça, tout cas, que chez moi. Il y a dit ça. Donc, disons, il faut que moi, je fasse le mandat civique. Même genre, 27 députés, même dans le sous 3 ans. Même genre, 9 sénateurs, même dans le sous 4 ans, ça 6 ans. C'est le même bagarre à venir. C'est la constitution pour respecter la loi. La loi même, il faut respecter. Grégory, merci un peu le député d'Haïti. D'accord, bon, bon la journée. Donc, débat apparaît pour suivre. Donc, pendant la COVID-19, obligé de parler de l'élection, hein, puisque, quand même, faut que le renouvellement politique, là, il fait, au lieu de pouvoir en place, là, chita tête sous épaule pour définir, puis bon, stratégie pour éviter COVID-19, là, continuer à faire victime dans la population, puis plutôt à faire lobby, bon, côté communauté nationale, là, sur question mandat chef l'État, et un comportement organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti qualifiée comme irresponsable. Camille Auxilis a dénoncé toute démarche gouvernement en place de l'enfer. Mon croix, il y a une élection qui est possible dans le pays, alors que tout indice montré à clair, il n'y a aucune compétition électorale qui est possible dans le contexte à côté. La population a plus besoin d'assistance pour faire face à la crise sanitaire. Là. Nassan Sa, coordonnateur général au CNH, mandé administration Moïse Jotlan à travers le ministre des Affaires étrangères à Claude Joseph pour ressaisir pour éviter Pita Vin Pitris d'après M. Camille Oxius qui était parlé dans le micro Galito François. Dans un moment, population haïtienne, par contre, qui ça pour vous faire? COVID-19 là, l'a touché au jour le jour. Plus moun a mouri, plus moun a infecté cause maladie COVID-19 là. Et l'État haïtien, par mesure, pour le porter des supports d'accompagnement par population, pour que population fasse face à COVID-19 là. Nous constatons, au lieu de déterminer qui stratégie a pu utiliser le plus vite possible pour permettre population à faire face à COVID-19 là, il y a plus rentré dans une campagne de sensibilisation auprès de la communauté internationale pour convaincre, pour faire comprendre, ils voulaient organiser élection et ils ont tout fait en campagne pour montrer mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2022. Nous-mêmes, nous souhaitons pouvoir exécutif, prioriser la vie humaine d'abord et question mandat et président Jovenel Moïse. Là. Donc, c'est un bagaille qui donne un constitutionnel, c'est constitution qui dit qui l'a commencé et qui l'a fini. Donc, moi, pas trop nécessité. Et pour que vous ayez un ministre affaires étrangères qui rentre dans un plaidoyer pour sensibiliser la communauté internationale sur question organisée élection. Or, nous connaissons organisation élection, c'est un bagage qui est interne à un pays. Donc, nous, ouais, président, lui rentrer dans une démarche pour sensibiliser Mountou dans question organisation élection. Mais nous demandé à ministre affaires étrangères là, mieux vaut le fond suspendre dans question campagne de sensibilisation pour organisation élection, parce que y a un pile problème qui mérite résoudre, faut question santé à lui résoudre. Donc, la question élection, moun pas capable à le poser candidature sans ou pas gagner carte électorale. Moun pas capable à le voter sans ou pas gagner une carte identification nationale qui valide, une carte électorale qui valide. Donc, nous pensons c'est une démarche, ministre affaires étrangères, y compris les autres membres du pouvoir exécutif, y a fait pour faire une campagne de sensibilisation sous question durée mandat président Jovenel Moïse là. Mais dans la pratique des faits, nous pas ouais, pouvoir. Qui l'a actuellement capable d'organiser élection, Jean, nous t'a souhaité pour qu'il y ait une élection honnête et démocratique. Toujours une actualité politique, là, ancien député circonscription Tiotlan, Victor Fon Garnier, dénoncé démarche chef l'État à travers ministre des Affaires étrangères, qui a fait lobby bon côté international, là, comme s'il y ait volonté pour faire élection à Nessa, avec pour Kembel sous pouvoir jusqu'à 2022, d'après ancien parlementaire, président de la République, là, t'es raté toute occasion pour t'organiser élection dans le pays, hein, qui donc, Jovenel Moïse, doit préparer le pitot pour quitter Palais National, 7 février 2022, d'après ancien député Tchotla. Reportage Wenchel Adrien. Si quelqu'un qui adressé à chancellerie haïtienne en date 26 mai 2020 pour faire plaidoyer bon côté instance internationale pour expliquer volonté président république là pour non seulement ta faire élection pour renouveler personnel politique là mais tout pour ta quitter pouvoir en 2022 ta un temps perdu c'est en tout cas opinion ancien député circonscription de Chotla Vicarson Garnier bataille d'opinion que président mettez équipe PHTK machine PHTK fait combien tu penses que c'est perdu donc mandat reçu de demander
arrivé date constitutionnel l'arrivé sur c'est la guépio. Ancien député a cependant demandé chef l'État pour le préparer pour le libérer palais national en février 2021. Des questions de Garnier exigent respect à l'article 134.1, 134.2 et 134.3 Constitution. 7 février 2021, il n'y a pas besoin de faire aucun passage plein par 150 chemins. Donc, c'est que 7 février 2021, faut il faut que nous gagnions un nouveau gouvernement qui allait, qui prend le pays pour organiser l'élection, pour mener nous dans le processus de renouvellement et personnel politique, de telle sorte que le pays a nous capable de bataille pour renforcement institutionnel. Pour ancien parlementaire, président République là, pas bénéficié confiance ensemble population. Hein? Donc pour les chefs l'État, pas jamais joué une chance pour organiser élection dans le pays. Hein? D'ailleurs, opposition hein, semblait pas parée pour faire président République là. En termes de sérénité, vous n'avez pas dit à président Jovenel Moïse pas inspiré aucune confiance pour que vous avez dit nous parler dans le processus électoral avec Jovenel. Sachez que Jovenel lui-même généralement non, peut marquer que attitude point barre là, attitude connaît toute bagaille là, donc il y a un président qui croit dans la tête, il connaît que il maîtrise toute bagaille, donc parfois il parle même garder compétence l'autre monde. Élection, oui, c'est vrai, nous-mêmes nous pour élection, mais nous tout est fort et tout le monde veut que M. Jovenel Moïse pas inspire confiance pour organiser l'élection qui va venir là. En tout cas, on prend l'autre voie. La classe politique là, c'est tout non opposition, hein, souhaiter acteurs politiques qui ont commencé à discuter pour planifier 7 février 2021. Winichel Adrien, Caraïbes FM.